C'est pareil pour l'instant. Alors on pense que ce samedi-là, on sera aux alentours de 600 minimum, on espère 800. Mais en tout cas, si on est le même nombre que la fois dernière, ce sera déjà très bien. Qu'est-ce qu'elle représente cette manifestation? C'est la troisième. La semaine dernière, on était avant la loi au Parlement. Cette fois-ci, la loi elle a été validée au Parlement. C'est un peu la manif de la dernière chance. La manif de la dernière chance, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, la décision finale sera rendue donc, au Conseil constitutionnel le 5 pour une application le 9. Mais même si c'est appliqué le 9, on ne va pas arrêter pour autant. C'est-à-dire que si les prochains samedis, nous devons être là pour montrer notre mécontentement, nous serons là. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement une manifestation pour montrer notre mécontentement et surtout montrer que nous ne sommes pas d'accord avec l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Qui nous ont accompagnés du début à la fin la semaine dernière et qui ont assuré une escorte au top. Donc un grand merci à eux et j'aimerais qu'on les applaudisse s'il vous plaît. Merci. Et pour finir, je souhaite également remercier tous les intervenants de la semaine dernière qui ont pris la parole. Et c'était très important pour nous, puisque étant donné que le mouvement que l'on a créé est là pour défendre les libertés, il allait de soi que celle d'expression soit préservée. Alors merci à tous ceux qui ont pris la parole et qui sont intervenus la semaine dernière. Merci à eux. Mais il est également important de rappeler pourquoi nous nous sommes réunis, pourquoi nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et les deux derniers samedis. Nous nous sommes rassemblés puisque nous avons le même combat, les mêmes convictions. Alors certes, il y a des opinions qui divergent concernant notamment la vaccination, mais ce n'est pas le plus important. Puisque parmi nous, nous avons des vaccinés, des non-vaccinés, des anti-vax. Mais le plus important, c'est que nous nous sommes réunis pour défendre nos libertés individuelles. Et cette preuve de solidarité fait la force de notre mouvement. Merci, merci à tous. Merci Sylvain. Donc il est important pour nous tous de garder ce cap, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, le gouvernement cherche à tout prix à discréditer notre mouvement, que ce soit sur Auxerre ou au niveau national. Alors il est de notre devoir de leur montrer que nous sommes et resterons unis. Nous ne lâcherons rien. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire et par extension à l'application du pass le 9 août. Donc aujourd'hui, il est important que nous fassions entendre notre voix. Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment pour votre présence. La première fois, on était 150. La dernière fois, on était environ 580. Et là, nous sommes encore plus clairement. Merci beaucoup. Pour beaucoup, c'est la première fois que vous descendez manifester dans la rue. Parce que nous savons que nous sommes à un tournant décisif concernant nos libertés. Nous sommes comme vous des citoyens
Tous les trois, vaccinés ou non vaccinés, révoltés par l'extension du pass sanitaire. Nous n'appartenons à aucun groupe politique ou religieux ou quoi que ce soit. Nous sommes tout simplement des citoyens qui veulent faire valoir leurs droits. Cyril, en formation pour devenir soignant animalier. Adrianis était facteur et rentre en études d'aide-soignant à la rentrée. Et moi, Pauline, dentiste en libéral à Auxerre. En direction du boulevard Voie-la-Belle. Donc je vous demanderai donc de commencer à former le cortège. Et surtout, je veux vous entendre. Soyez bruyants. Rappelez-moi pourquoi on se bat. Liberté, 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 liberté.
Bye.
Donc il va falloir vous rapprocher de votre conseiller juridique ou dans d'autres cas, prendre un avocat ou porter plainte. Donc je vous conseille aussi le site Légifrance. Avant toute chose, je rappelle que c'est seulement le projet de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle n'est pas encore en vigueur. La pression est illégale. L'application anticipée dans certains lieux est illégale. Pour que l'application soit légale, la loi en vigueur, ce projet doit d'abord passer par le Conseil constitutionnel et être publié dans le Journal officiel de la République française. Voilà. C'est très important. En premier lieu, je voudrais vous parler de la discrimination selon votre état de santé pour accéder à tout endroit public ou privé. En effet, un établissement n'a pas le droit de nous refuser l'accès à un bien ou à un service en s'appuyant sur notre état de santé, là notre statut de vaccination. Ceci est de la discrimination et c'est condamné par l'article 225.1 du Code pénal et puni par l'article 225.2 par 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Le décret, statut inférieur à une loi, du 7 juin 2021 portant sur le pass sanitaire ne respecte donc pas la loi pénale. Vous pouvez donc porter plainte si on vous refuse l'accès à tout endroit privé ou public. Oui, oui. Ils ont bouffé des animaux, hein. Ils ont bouffé des animaux.
se vacciner non pas pour être en bonne santé et ne pas tomber malade, mais sous la menace de perdre le travail. Comment un parent isolé avec des enfants peut-il vivre toujours titulaire de son poste, mais sans salaire. De médecin malade, parce que nous n'avions, comme vous le savez, aucune protection. Et nous avons proposé au gouvernement de réaliser une étude prospective avec des traitements que nous utilisions, à savoir azithromycine ou azithromycine plus hydroxychloroquine. Nous avions bâti une étude. Personnellement, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique à un moment, donc je sais parfaitement mettre au point les protocoles de soins. Et nous avions tout organisé, y compris l'analyse statistique, ça coûtait 0 euro au gouvernement. Et même Sanofi France nous donnait l'hydroxychloroquine. L'azithromycine, on devait la payer. Mais c'était rien. Cette étude a été refusée. Inutile de vous dire que les médecins, 1000 médecins étaient prêts à s'engager dans cette étude, nous étions en capacité de donner un consentement éclairé par rapport à ces traitements. Vous avez suivi qu'il y avait beaucoup de choses anormales qui se sont passées, et pour nous ça a été un gros warning, parce que ce n'était pas normal ce qui se passait, et comparé à nos expériences thérapeutiques, c'était pas normal non plus. Donc nous avons créé le collectif Laissons les médecins prescrire. Et depuis 18 mois, nous vous alertons sur le fait qu'il y a des actions de prévention, sur le fait qu'il y a du soin possible, avec entre autres actuellement l'ivermectine également qui est utilisée dans de nombreux pays et qui fonctionne extrêmement bien. Il y a énormément d'études internationales. Nous avons nous-mêmes publié à l'international une étude rétrospective réalisée chez des médecins qui se sont soignés. Inutile de vous dire qu'on reçoit des menaces de mort, qu'on est convoqué devant les conseils de l'ordre. Il y a beaucoup de choses anormales qui se passent. Nous étions 818. Bravo. Ouais. Merci à tous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Plus nombreux que la semaine passée. Et ça, c'est super important. Ça montre que nous sommes tous déterminés et que nous ne lâcherons pas. Ouais. S'il faut être là tous les samedis dans la rue, nous serons là. Ouais. Je vais laisser le mot de la fin à Stéphane qui nous a préparé un magnifique discours. Je m'avance, mais je m'en porte garant. Il sera magnifique. Merci Stéphane. Bonjour à tous, donc vous avez entendu mon prénom Stéphane. Avant de commencer ce que j'ai à vous dire, j'aimerais qu'on remercie et qu'on félicite tous les organisateurs de la manifestation. Bravo! Entre nous, on aurait assurément beaucoup à redire sur la façon dont la pseudo-crise sanitaire, en tout cas ce qui s'appelle la crise Covid-19, a été gérée par les responsables de notre pays, le ministre de la Santé, le Premier ministre ou le Président de la République. On peut par exemple se demander à quoi sert aujourd'hui le Parlement. Est-ce que les députés sont encore les représentants du peuple ? Et que fait la justice pour préserver nos droits fondamentaux ? Pourtant, les comparaisons internationales de toutes les politiques menées à travers le monde montrent que nous faisons fausse route depuis le début. Sans masque, sans confinement, sans interdit, la Suède aujourd'hui a 16% de morts en moins que nous. 16% sans rien faire. L'Inde, que pourtant sur tous les écrans de télévision on a montré du doigt. Quand vous regardez les chiffres officiels, l'Inde qui soigne avec l'ivermectine a 82% de morts en moins que nous. 82%, c'est hallucinant. Et ce sont des chiffres officiels. Et pourtant, à tous ces errements passés, Emmanuel Macron nous rajoute une couche. Que dis-je une couche ? Deux couches. Passe sanitaire et obligation vaccinale. Ces deux monstruosités sont les gouttes qui font déborder le vase déjà plein à ras-bord de leurs mensonges, de leurs tromperies et de leurs incompétences. Mais aujourd'hui, le peuple dit stop. Stop ! Il y en a qui suivent ! Oui, nous,
peuple d'Auxerre, peuple de Lyon, peuple de France, nous sommes réunis car nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de la République française, notre République. Des valeurs que nos ancêtres ont acquises au prix de leur vie, des valeurs que nos grands-parents ont défendues auprès des leurs, et des valeurs qui nous appartiennent à nous aujourd'hui de transmettre intactes à nos enfants. Des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale nous suppriment une à une chacune de ces libertés, chacune de ces valeurs. Elles fissurent la fraternité qui nous unit. Nous refusons que les non-vaccinés mangent seuls la bûche dans la cuisine, comme M. Castex voulait l'imposer aux grands-parents à Noël dernier. Nous voulons continuer à nous voir, à nous recevoir et à nous asseoir à la même table, la table de la fraternité, comme l'a nommé Martin Luther King. Car nos différences nous enrichissent, nous rendent plus forts et plus intelligents. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui nos différences d'âge, nos différences de sexe, nos différences de peau et assurément nos différences de conviction et de pensée. Et pourtant nous sommes unis, nous sommes fraternels et nous voulons le rester. Alors non au pass sanitaire et non à l'obligation vaccinale. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale portent aussi atteinte à nos valeurs d'égalité. L'égalité est un droit constitutionnel. Sommes-nous prêts à le défendre ? Oui ! Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale créent deux catégories de citoyens. Sommes-nous prêts à l'accepter ? Non ! Non, nous n'accepterons pas qu'il y ait d'un côté ceux qui refusent de servir de cobayes au laboratoire pharmaceutique. Ceux qui, même vaccinés, refusent de se soumettre à une dictature sanitaire, c'est nous ! Et d'un autre côté, ceux qui acceptent cette société fliquée et flippée qu'on veut nous imposer. Cette rupture d'égalité est totalement disproportionnée. Car imposer la vaccination à tous, et notamment aux plus jeunes, est irrationnel et dangereux.